Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Multiplication car kidnapping yo pas suspend dans la région métropolitaine Port-au-Prince, ça qui baille en pile qui est cassé d'après plateforme organisation haïtienne Douamoun. D'après secrétaire exécutif POHDH là à l'ermi Pierre Vilus, bandi examen qui était habillé avec uniforme la police qui t'a circulé dans yon Toyota Zorekin gris kidnappé docteur Pierre Bonsi qui c'est yon urologue ak docteur Michel Dalexi qui lui-même c'est yon gynécologue nan clinique yo hier mercredi nan Wielbern. Situation ça c'est résultat 7 mois mauvais gouvernance gouvernement de facto Ariel Henry qui pa gen aucune volonté pour combattre phénomène ça. Alermi Pierre Vilus dit li regrette problème insécurité généralisée ak kidnapping nan en particulier pa yon priorité pour directeur général à IPNH la Franz LB. Responsable POHDH la mandé tout secteur mobilisé dans l'idée pour exiger autorité yo prend responsabilité yo pour adresser phénomène insécurité a. Déclaration secrétaire exécutif POHDH la Alermi Pierre Vilus nan micro Gabriel René. Fameux équipe après aujourd'hui a li très inquiétant. Inquiétant, mais en même temps, faut nous rappeler, ça n'a pas fait longtemps, pendant l'année 2021, côté bandit a rentré l'église, côté a kidnappé de monde, rentré l'église. Jeudi, il a rentré dans l'hôpital, il a kidnappé des médecins. Donc, ça fait longtemps, bandit, il a gagné liberté, il a opéré, j'ai ouvert dans le pays. Mais faut que nous disions, l'insécurité qui a validé les dimensions à la prochaine jeudi, c'est parce que tout simplement, capable de dire, autorité de facto. Toyo, vraiment, pendant 7 mois, ça, que yo sous pouvoir, Ariel Henry et ses alliés, SDP et autres, yo pas fait un rien, yo pas montré ni volonté, ni capacité pour être capable de freiner question de sécurité. Et je dis, regardez ça qui a passé, regardez comment ils utilisent la police, là, pour faire une pression sur ouvriers, à ouvriers qui ont manifesté. Donc, nous avons l'impression que, en SLB, une mission politique qui vient nous remplir dans la police, là. Mission politique qui vient nous remplir, c'est empêcher mouvement revendicatif sur ce chemin-là, mater tout mouvement revendicatif, et puis qu'aider attitude de complaisance vis-à-vis des bandits qui ont signé l'intérêt. Donc, véritable mission, c'est tout simplement quoi que le mouvement revendicatif fasse que les bandits continuent à kidnapper le monde un peu partout dans le pays. Donc, pour son bail qui est très, très, très inquiétant, ça préoccupe en pile au niveau des PNGH, c'est ça que nous croyons véritablement. Il y a près de 7 mois régime, gouvernement factoriel, qui vraiment pas fait un rien pour freiner la question de sécurité, qui a monté, qui a pour paquet de dimensions. Pourquoi je veux dire à l'éclair, pour peuple haïtien, commencer à organiser, pour peuple haïtien, vraiment, d'y sortir dans le sommeil, pour commencer à organiser, pour tes réponses à ça, n'a vivre là, comme insécurité, pour tes réponses à comportement, passivité, pouvoir de facto par rapport avec question insécurité à Cap Valley dans le territoire dans le pays. Donc c'est vraiment organiser nous, mobiliser pour nous vraiment demander à ce que l'autorité ou la police demande pour que responsabilité par rapport à ça n'a plus là. Et si vous n'êtes pas capable de responsabilité, pourquoi il faut que vous tirez conséquence. Il est clair que pas de volonté politique pour voter réponse à problème insécurité dans le pays. Premier ministre de facto Ariel Henry qui est certainement sous pouvoir avec quelle volonté politique pour agir par rapport à question ça. Qui fait que chaque jour, l'insécurité a pris l'autre dimension, la continue à faire victime dans le pays, et que la police, là, même les gains des changements, mais vraiment, il n'a pas apporté tel résultat, puisque l'autorité politique qui est là, n'a pas gagné vraiment objectif pour adresser, pour résoudre question ça. Et ça fait notre discours, il était à proportion pour vraiment organiser, vraiment mobiliser, pour porter réponse à et ça vivra comme une situation de violation, de banalisation de la vie dans le pays. Bon, moi, qu'importe, qui bon rôle, qui historiquement joue dans la bataille, c'est universitaire. Même si bon tendance de temps en temps à criminaliser le mouvement qu'a fait dans l'université.
Déclaration à l'ermi Pierre Villus, secrétaire exécutif POHDH. Collectif avocat cap défendre droit moun yo continuer mandé autorité yo nan gouvernement mettez plus moyen à la disposition police nationale là dans l'idée pour permettre les gain capacité pour attaquer phénomène insécurité a qui pas suspendre fait victime dans pays a. Porte-parole collectif avocat cap défendre droit moun yo maître Arnel Rémy attirer attention population an sous impuissance police nationale la police qui continue à compter cadavre côté gagner yon regradé dans la police nan, qui tombé en babal la bandi ayer mardi là dans zone dans commune Tabar zone Edion Jean Dian la responsable direction administration pénitentiaire d'après commissaire divisionnaire Pierre René François confirmé assassinat commissaire principal Robert Plaisimon qui patronne la Kaili monsieur patronne la Kaili dans commune Tabar dans zone secteur Edion personnel d'ap lan collègue li mais victime Zaksa. Une nouvelle qui touchait en pile la police, non? Responsable régional sud de la direction administration pénitentiaire d'appelant commissaire principal Robert Plaisimon, lui assassiné à Yamadian par un nègre armé qui n'est pas arrivé identifié, j'en dis à patron de la Kaili, d'après un source policier qui est capable de faire confiance. Policier 51, il est là, lui-même, il était fait partie première promotion. La police, non? Pour nous dire bien, semblait que lui-même, les victimes, non? Guet-apens, selon numéro 1 d'appelant. De l'autre côté, lui, vraiment, au début, là, il a touché par la circonstance ça, elle dit, il prend tout ça qui était presque galé dans la machine, et commissaire là, et il prend un âme de service, lui. Elle dit, ben, de fin, tu prends un âme de service, et commissaire Robert Plaisimon, quand sans vie victime dans lui-même, j'en dis, c'est un regradé dans la police, dans Robert Plaisimon, qui perdit la ville. Après crime ça, agent direction centrale police judiciaire hier après-midi, et juge de paix, t'es fait une sur place pour capable faire constat verbalisé, c'est un crime, non, et ben, avec l'ordre, pour lever et commissaire Robert Plaisimon. Assassinat regardé dans la police assemblée, il était planifié selon responsable d'appelant contrairement avec 13 tentatives kidnapping qui a parlé. Depuis quelques temps là, commune Tabar li tourné zone limitrof dans zone Edion, li vin tourné en zone rouge côté plusieurs cas assassinat et puis enlèvement et kidnapping passe en fait dans zone si là d'après autorité et police. Encore bien regardez ça, commissaire principal commissaire de police qui c'est Robert Plaisimon, une responsable qui d'AP, direction centrale police, direction administration pénitentiaire à la police, monsieur Pézi la ville, ailleurs, en Babal Bandi, dans la commune Tabar, patron de la Kali, dans la zone Edion. On a toujours été sous dossier sécurité avec question kidnapping après 15 jours depuis bandit et kidnappé devant l'école de Fabio Lapayen, toujours nommé bandit 15 jours après la vie, coupé tout contact avec famille étudiante, science infirmière là, Fabio Lapayen 15 jours après ravisseur te coupé tout contact avec proche li jeune étudiant nan sa se finit kidnappé 15 février devant faculté là li toujours captif après 15 jours li passé tout nan mais ravisseur coupé tout contact avec proche victime nan depuis mardi 22 février jeune infirmière l'a abandonné à soli ravisseur pas ba aucun signe de vie jeune étudiant ça qui toujours a séquestré 15 jours après enlèvement li ravisseur n'a pas formulé aucune demande de rançon devant pour capable faciliter par victime nan négocier avec ravisseur dans l'idée pour capable permettre à jeune étudiante sa jeune libération là selon socio mais proche Fabiola dit li inquiet et li lancé un SOS dans l'idée pour capable faire un peu le monde connaît situation ça puisque yo peur pour que yo pas dit Fabio Lapayen. Toujours question insécurité, mais là, nous allons aller sur automatisant dans troisième circonscription de Port-au-Prince. Non, ben, jeudi, elle a fait 9 mois depuis que ça a été éclaté dans mitad gang dans troisième circonscription de Port-au-Prince. 9 mois depuis ça a coulé, ça a arrêté dans troisième, précisément dans Matisse, Fontama, Port-au-Prince, Ogan, premier jusqu'à 5e avenue Bolos, en pile entreprise, à Kati Business, a crasé dans zone ça. Une situation qui soulevait quoi les leaders communautaires dans zone ça, c'est qu'à coordonnateur et général Losma Realis, leader vaillant qui c'est Javel Javinson qui lançait appel à conscience protagoniste
protagonistes pour yo suspendre dépenser l'argent à acheter zam mais plutôt faire la paix pour citoyens capable retourner la caillou en côté Javel Javinson dans micro Jean-Philippe Marseille. Chaque jour tendé, c'est 100 monde qui a coulé pour grand merci. Ça veut dire chaque jour, c'est le cadavre qui a compté. Nous dit stop violence ça pour nous, les examens, parce que violence là, pas utilement en rien. Quand on considère que ça a eu 9 mois, sur le plan économique, comme qui a dépensé pour occuper les examens, comme qui a dépensé pour acheter matériel, comme qui a dépensé pour acheter balles, comme qu'a dépensé pour garder qui stratégie nourriture et la trouille pour nous tomber en vie, pour que ça arrête en vie, technologiquement tout, parce que il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, ou même on va acheter un téléphone pour lui. Il y a des gens qui n'ont pas de 4 sous téléphone, il y a des téléphones déjà, il faut acheter 4 pour mettre ce téléphone pour être en communication permanente. Ça veut dire, qui est-ce qui est victime? Nous, même pour le troisième, nous, les policiers mourent. Ces machins mourent. Et même nèg qui dit que y a bataille, yo pas en sécurité tout, yo victime tout. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire je dis à nèg ak femme qui toujours a frappé l'estomac yo, qui t'a toujours dit c'est yo qui contrôle troisième circonscription, qui t'a toujours dit c'est yo qui choisi pour représenter zone Matisse, zone troisième circonscription. L'on parle des candidats AZEC, KAZEC, délégués, députés, magistrats et l'atelier. Je dis à côté nous. L'on considère pasteur victime, l'église protestante, l'église catholique, toute victime. Je dis à nous besoin qu'on bite la fête pour nous tendre voix nous ensemble qu'a dit. Nous besoin la paix, on sauver la vie avant toute bagaille parce que nous c'est moun avant toute bagaille. Je dis à une constamment, nous prenons Palmyra, nous prenons Poa, nous prenons bon, l'église Théophile là sous Gambia, nous prenons Boulanger là qui est à côté de l'église là, nous prenons ensemble de l'école qui est en troisième circonscription là qui croise. Je dis à la, ou pensez à clair, comme cap dépenser dans le bal à exam, pendant qu'à réparer toute entreprise là, je dis à me penser. Ou comme qui dépensait dans la question de guerre, ça, nous pensons qu'il a résolu un pile de problèmes en deux troisième circonscription. Nous avons un espace croisé. Nous avons un marché fondamental qui a fini. Nous avons un hôpital semi-continental qui a fini. Je dis à moi-même, j'avais Javinson, moi, coupé bien bas. Je dis à qui fait 9 mois, jour pour jour, date pour date, ça, en tant que leader communautaire, représentant organisation La Relève, qui se lancement réaliste des leaders vaillants, nous prenons engagement, nous encore, pour nous dire nous là, et nous prêts. Bataille, c'est nous pour faire. Pas de personne, nous, qui a sauté notre côté, qui a venu, mettez-nous chita. C'est nous-mêmes, comme petit troisième, non, qui pour chita ensemble. Front National Organisation Résistance pour Haïti Stable dénoncé communiqué ministère de l'Environnement mettait dehors pour éliminer toutes quatre agents BISAPIO. Heureusement, je qualifie illégale décision ça qui, d'après les rentrées en démarche pour renforcer bandits dans le pays. Un militant politique l'a fait connaître BISAP qui a empêché bandits par fin pour respirer. C'est un agent qui t'a fait des ordres, ça va qu'à engager toute institution. Selon Heureusement, je qui m'a des ministères à rentrer communiquer ça, pressé en côté déclaration. Ministre James Kader, qui fait partie du gouvernement de facto, ou du moins associé avec Saoulé et M. Ariel Henry, l'un des suspects potentiels de l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons besoin de connaître est-ce que ce projet qui a continué, puisque je dis à une campagne, il y a une volonté manifeste en deux pays pour décentraliser Saoulé le banditisme. Ça relève et gang armé. Mais nous connaissons des zones dans deux pays, ya, surtout le Grand Nord, bandit pas arrivé, envahi, yon se yon des zones là, c'est par rapport avec BESAP que nous avons créé une stratégie pour faire BESAP la vine par un bagay criminel qui fait comme une institution qui a fait des bagay qui passent, mais avec un seul objectif. Comment disparaître des institutions qui ont service à pays et puis pour faire place nette à bandits. Comment nous comprendre nous gagnons par le national qui a un budget exhaustif. Nous avons une mission pour veiller au président de la République. Malgré fortune, l'argent mettait dans les policiers, peut-être 1000 dollars américains, il livre au président de la République. Pour 1000 dollars américains, des policiers
qui fait partie d'une institution aussi prestigieuse que la police nationale, une institution aussi prestigieuse que l'IHPN, une entité pareille, pour ne pas tellement de difficultés, pour être 1 000 $, yo ba yon président, yo d'accord yo assassiner président nan meyo. Voilà qu'on pa mande pour craser institution ça qui c'est la police nationale d'Haïti. D'instance qui là pour sanctionner yon voyou, yon délinquant qui infiltré yon institution. Les ça institution à plus haut niveau, la prend les décisions qui s'imposent par rapport à bandits qui commettent tel crime. Puisque nèg ki gwa avocat yo di, yo di tout moun la responsabilité pénale et personnelle. Nan combat pour question sab et Keskov et la boule 12 zone cabrit qui moun qui allait qui mettait en série de l'ordre dans l'institution ça c'est agence nationale des aires protégées ANAP. Mais pour ANAP capable exercer mission ça que balé pour protéger ensemble des zones protégées ça yo faut qu'il gon bras armé. Pour gon bras armé c'est ça qu'elle créer en dans institution ça parce que ANAP là l'ICEO en instance autonome qui gagne budget, qui gagne directeur général. Vous comprenez bien? Qui gagne budget, pas budget, ministre environnement, qui gagne, ils ont arrêté, qui nomme mon directeur, même j'ai arrêté mon ministre. Ça veut dire en aucun cas, même lorsque le ministre a une folie chimérique, il n'a pas qu'à exercer chimérique sous institution qui est autonome. Voilà la déclaration militant politique Rosemont Jean lui-même qui dénonçait la décision ministre environnement prend pour capable annuler badge à Jabé Sapio selon le ministère environnement qui fait connaître que il y a trop d'autres que ça a créé avec badge ça fait profiter bon commission qui a monté selon responsable du ministère environnement pour capable évaluer institution ça et garder comme capable retirer quelques mauvais grains dans question Bessap si là. N'a pas tourné avec Javel Javenson, qui lui-même, son leader communautaire en troisième, critiqué Premier ministre Ariel Henry, lui dit qu'il était annoncé problématique après le résoudre. Plus passé 2 semaines après déclaration, ça n'a rien pas changé. C'est encore autorité qui fait mesure sous 3e circonscription, hein. Signe de quoi Javel Javenson, qui lui-même là, jusqu'à présent, route là, lui-même, licencié fermé, Mounio Sénamon, Fontamara, y aurait été, c'est l'espoir pour être capable de passer, habiter dans une zone ça, qui presque a abandonné route nationale numéro 2, hein, responsable, la relève, là, mandé avec autorité au passé, mais non, surtout pour faciliter le trafic, là, capable, fait, Javel Javenson. Premier ministre, il fait gros déclaration, gros promesse, qui dit clairement, que l'abvini, dans la 3e circonscription, l'abvini pour une solution à travers mon studio. Nous t'ai ouvri porte nous t'ai ouvri cœur nous. Tout qui est content de commencer à venir à la nous pensons que c'est un bagage sérieux qui t'a fait le fait, laissez-moi, dans cette flottille de Cafou, t'as retourné la caillou. Moun qui dans l'hôpital, moun qui dans le marché Fontamara, t'as retourné la caillou. Laissez-moi, qui t'a voisine, un peu partout, qui gagne, t'as retourné la caillou, ça t'a dit, la vie en vie tourne dans la 3e circonscription. Et mais tout c'était faux promesse. Pas de rien qui jamais changé. Et pas de rien qui fait réel vraiment. L'un considéré encore, semaine je passé à la nouvelle ministre éducation, qui était dans la grande danse, qui t'a chita parlé, dans gros activité. Côté le passé, c'est toute question ça où nous-mêmes nous avons posé en la 3e circonscription. Ça veut dire, nous pas monde. Et mais c'est peut-être ça. Nous prenons engagement, nous demandons l'État, comme route nationale là, pas des machines qui passent chaque jour sous lui. C'est rarement où il y a une machine à passer sous route nationale là. Et bien, qui avait dit au papa, c'est Matissan, c'est jeune Fontamara qui est passé. Je ne parle de Fontamara, nous voulons parler de Fontamara 43. Yo passé au monté dans 27, yo passé au monté dans Douillon, yo passé au monté dans Delui, yo passé au monté dans des caillettes pour yo tomber dans Cajou, et même pour yo tomber sa vente pistache, pour y aller chercher la vie mieux à travers ville là, pour y aller activité personnelle. Si vous voyez, je sais seulement là où qu'a passé, ou bien passer par la boule, ou bien passer par Saint-Jude, eh bien, nous-mêmes, nous disons, que l'État prend responsabilité, vient passer maintenant route ça pour nous, je dis, parce qu'on a vu le temps pour bête la donne. C'est propre, c'est propre si malheureux dans la zone, avec Piqua, avec Couteau Digo,
avec tel bourrette qui a nettoyé volontairement, qui a fait activité dans la route, qui a battu la route, côté pour passer, côté l'État, côté AZEC, AZEC, délégué ville, magistrat qui l'a, côté nous, nous besoin de secours, nous besoin de notre troisième circonscription, faut que la terre retourne dans notre troisième circonscription pour nous vivre tant que nous. Toujours dossier insécurité, mon pod ex-mété chargé par rapport à l'insécurité qui perd frein dans le pays qui passe par un affaibli classe moyenne. Porte-parole mon pod là, André Raphaël, quoi résoudre des problèmes insécurité à ta de plus gros préoccupation autorité yo. Au lieu de parler de cause élection, pour voir mon pod là critiquer autorité qui a dépensé l'argent pour carnaval pendant la police n'a pas de moyens pour mater phénomène insécurité en côté André Raphaël. Et nous même après position nous les contraire côté que des mon wif chef kidnapper mon chef manger mon bacavaque avec activité mais gain de groupe dans des pouvoirs et au prend plaisir ça va intéresser il y a parlé des élections il y a parlé des conseils électoraux et nous même nous croyons que je dis pour parler des bagages ça yo faut nous bailler réponse à insécurité parce que insécurité il a empêché nous aller dans le développement durable il a empêché nous poser un ensemble de problèmes que la société a fait face et bien réponse avec eux. Et là que nous croyons que je dis, si nous bagaille pour nous résoudre pressé en d'un pays, c'est la question de l'insécurité qui rend la population prisonnière, la Kali, qui continue à décapitaliser on dans la classe moyenne. Parce que je veux dire, ça qui est drôle dans la sécurité, c'est parce que c'est la classe moyenne qui l'attaque. L'attaque classe moyenne, comme je l'ai dit, c'est avec eux le problème. Et le monde qui est dans les affaires, c'est pas le problème que je viens avec eux, mais on regarde l'activité ou la machine. Pendant que le monde n'a pas qu'à entrer Port-au-Prince, vient nous voir, Madame Sarah n'a pas qu'à entrer Port-au-Prince, mais on a pris des lignes aériennes, on a pris des bateaux qui ont porté des marchandises, on a allé. C'est-à-dire, l'activité mondiale, pas de problème. Mais bon, on a des sociétés qui sont prisonniers, qui ne sont pas capables d'aller l'activité. C'est une élément, nous même dans mon pote, qui doit résoudre pressé pour permettre à la population d'aller dans le parc dans le besoin. Comme pays, nous apprenons à utiliser pour avoir des résultats. Est-ce qu'on comprend qui est capable de permettre ou améliorer les conditions. Ou investir qui est capable permettre ou améliorer les conditions de vie de la population. Mais ce n'est pas ça que fait, non. C'est carnaval. Non, situation. Côté monde n'a pas qu'à sortir. Côté monde n'a pas vivre dans le pays. Il y a un invivable. Ça, c'est inacceptable. On regarde le Grand Sud, pas de côté. Côté monde n'a pas dans le Grand Sud, c'est Saint-Gide. Si Saint-Gide n'est pas grand fou, l'autre là, il n'est pas bon, mais il est obligé de passer. Parce que l'État est inexistant. Les dirigeants ont des connivences avec le monde qui est là, qui est dans le parce que si il n'y a pas de bon pour eux, il n'y a pas de combattre. Puisqu'il n'y a pas de combattre, c'est ce qu'il y a l'aise la donne et ça te fait caparer des élections parce qu'il y a qu'on est sérieux lui-même qui est capable de faire à la taxe populaire sérieux, qui est comme l'État dans le monde, qui est un ami, qui a fait campagne. Et il y a des contrôles douaniers, pas de problème. Parce que pas aucune mesure prend pour contrôler les frontières, pour contrôler les douaniers, pour contrôler les aéroports, pour contrôler l'ensemble des bagages dans le pays qui permettre, je dis à mon nom, 4 jeunes âmes et munitions pour alimenter. C'est-à-dire, plus passer 7 mois, 8 mois, il y a tiré dans le pays, il n'y a pas jamais arrivé. Pour une panne de munitions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que les gens qui l'ont, ils sont confortables avec eux. C'est ça, on a vu là, je dis, attaqué peuple. L'autre information dans le journal, là, on a venu avec la question ça, en dehors de la 33e réunion intersessionnelle, chef gouvernement, Dr. Ariel Henry, lui-même, a participé dans CARICOM, sous instruction, PM, non, Dr. Ariel Henry, qui est ministre Affaires étrangères, actuel, qui c'est M. Jean-Victor Gileus, qui a annoncé que étudiants haïtiens qui trouvent dans le pays Ukraine, ils sont censés évacuer, ils ont fait déplacer pour aller en Slovaquie, pour plus ou moins capable en sécurité, pour pas sortir victimes dans la bataille qui déclarait entre l'armée russe ensemble avec l'armée ukrainienne. Non, d'après ça qui dit beaucoup d'autorité à travers, je dis à chef gouvernement, Dr. Ariel Henry qui prend la décision là à travers le ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus pour l'annoncer que étudiants haïtiens qui trouvent en Ukraine sont obligés de faire déplacer pour capable aller dans un pays Slovaquie. Nous avons toujours été dans le même de ça puisque nous connaissons la situation ça qui a développé là entre autorité russe et autorité ukrainienne.
Ça qui a des conséquences sur divers secteurs, surtout mes communautés étudiantes, l'autre Boa, pas blé pas seulement haïtien. Ça veut dire qu'en pile l'autre nation qui a étudié dans le pays Ukraine. Plusieurs étudiants africains, si bizarre, racistes, sous frontières qui séparent Ukraine avec un pays qui est sous côté Lyon. Il y a un étudiant qui fait qu'on est là pendant qu'il a monté un bus dans un point de contrôle sous frontière avec Pologne. Il a fait descendre et il a dit qu'il a arrêté sous côté et plus que 10 bus allés, il n'y a pas jamais rien d'après. Information. Nous apportons sur dossier réunion intersessionnelle CAICOM côté premier ministre à participer c'est 33e réunion intersessionnelle CAICOM premier ministre Ariel Henry et Chita Balé ailleurs avec homologue li dans Guyana monsieur Marc Philips ak dans Belize monsieur Johnny Briceno de homologue sa yo et ben li te chita parler avec yo réunion te chita sous sécurité ak agriculture. N'a pas avancé là toujours avec information yo puisque nous connaît là par rapport avec situation ça en garder là comment ça est dans l'autre information pour nous dire bien gagner l'autre acteur gagner André Raphaël lui-même qui André Raphaël un mopod qui parlait sur l'autre le point dans cadre interview que Radio Mega hier mardi en responsable mopod l'a critiqué 7 mois présence à Yolanda dans tête l'état qui pas réglé en insérier pendant grand goût misé à taille mandat. Gouvernement, ça a allié 11 septembre, et acheté carré, profité à gagoter l'argent dans deux peuples haïtiens. Mon pote d'arrêter croit à Comontana offrir une opportunité pour redémarrer pays. En côté, André Raphaël. Mon pote, parti pour l'État à Comontana, et mon pote, et j'en dis là, vous parlez de 11 septembre. 11 septembre, c'est lui qui est en pouvoir. Et c'est à Comontana, 11 septembre, qui donne l'incapacité de faire une réponse à l'insécurité dans la région de Jodiari. C'est lui qui est en pouvoir, c'est faire. Moi, hein, c'est le régime PHTK et allié qui est notre réfusion SDP, unité et autres, je veux dire, qui continue à plonger le pays à nos situations, ça paraît. Côté conditions de vie population, plus de plus dégradée toujours. Là, on prend décision pour augmenter le prix carburant, hein, côté prix produit nécessité à augmenter et plus, et puis situation de misère un peu païsien, vient plus mal. Côté jeudien, ou gâté, je veux dire, et mon. La vie monde par vous, hein? Mais c'est en septembre, à quoi mon septembre est allié, c'est un sous-titéo là qui n'a pas pouvoir. À quoi mon Ghana, à mon Ghana son accord, qui citation large consensus, qui voulait, je dis à vous, conséquent réponse par rapport à la crise là, et qui fait mon pote embrasser l'île à quoi ça. Parce que pour nous, là, qui gagne, nous disons, entre haïtiens, fond de famille pour sortir tête nous. Pour nous sortir tête nous, fond de parler ensemble. Et bien, mon Ghana, c'est ça, l'offrit pays, hein? L'offrit pays. À côté nous qu'à parler ensemble, regardez comment pour nous donner une réponse à l'ingérence internationale là, qui était toujours, pendant plus de passer des siècles, à entrer dans les affaires nous dans le pays. Parce que pour nous dire, il faut qu'on soit capable de nous côté, en tant que, pour nous prendre la patrie et souveraineté nous en tant que peuple. Comme si destin nous prendre, c'est nous pour prendre, mais ce n'est pas étranger. Toujours réaction sous CARICOM. Allons parler de réaction sous CARICOM. Non, à quoi unité d'Haïti minimiser participation au premier ministre Ariel Henry dans rassemblement CARICOM. Non, Jean-Christian Décimé, quoi, rencontre il n'a pas porté rien pour Haïti qui déjà pas produit rien. Porte-parole AUH, l'affaire qu'on le premier ministre tenté de retirer Haïti, continuer de dialoguer avec acteurs pour jouer une solution à la crise. Non, à notre côté, Jean-Christian Décimé. Mais nous-mêmes, à quoi unité d'Haïti, nous considérer quantité de problèmes pays d'Haïti a fait face. Tant que insécurité généralisée, kidnapping, la vie chère, absence l'État dans le ghetto, quartier populaire, accession communale. Là, nous considérons restrictions sur libre circulation haïtienne à produits haïtiens dans le marché commun Caraïbes, CARICOM. Et puis, Haïti presque pas produit rien. Nous-mêmes, au niveau accord unité d'Haïti, nous pas accord participation PM Ariel Henry. Apporter un sérieux pour Haïti. Nous croyons. Il est plus bon si PM là tire en Haïti. Et puis, si tu as parlé à tout accord, yo, et puis chercher une solution consensuelle dans la crise là. Donc, participation PM là dans CARICOM, il n'y a pas dire presque rien pour nous au niveau accord unité d'Haïti. Même pas ouais, tout qui s'est apporté pour le pays. Donc, je dis, yon dirigeant conscient des frais accès nous yo. Qui pas qu'à traverser Matissan, en bon parti dans l'ouest là, sud-est, sud, grand-est, NIP, qui en difficulté chaque jour,
l'un connaît qui s'est passé dans quoi des bouquets dans tout l'autre département yo un dirigeant qui est responsable place li jodi a pas ka doué dans CARICOM mais ta supposé bon table négociation pour garder comment ensemble résoudre problème. Donc ça c'est comme ça nous même au niveau accord et unité d'Haïti donc elle n'est pas ouais importance voyage ça elle n'est pas qui ça va porter pour Haïti et ça fait nous même nous toujours mettez tête ensemble. Si à noter vous il y a la continuité soudée d'ailleurs neuf accords ils ont entendu assez bien et pour demander tout l'autre monde qui gagne accord pensez font geste pensez garder qui sa devise nous dit et pour mettre en application pour Haïti et le monde ouais dirigeants haïtiens ont des capacités pour faire dépassement et pour vivre résoudre la crise qu'a traversé le pays avant nos bambous. Voilà, d'un côté, déclaration Jean-Christel Décime concernant participation PM dans la 33e réunion intersessionnelle dans CARICOM. Il y a un autre acteur qui réagit concernant ça. Même position pour ancien député Aoudou Bien-Aimé qui croit le premier ministre Ariel Henry Pralbay menti comme quoi l'a dialogué avec acteurs en Haïti. Ancien parlementaire croit le pays n'a pas dû atteindre rien de sommet ça. C'est plutôt un voyage dans l'intérêt équipe Ariel Henry. En côté, ancien député Aoudou Bien-Aimé. Sa premier ministre, parce que c'est pas là, bas le premier ministre, qu'on va répondre, dit, c'est dans CARICOM, le Davalville. Il a chita avec les concitoyens et il a été chita avec nous, tous haïtiens, nous, tout le monde qui est pour les gens d'accord, pour chercher un consensus. Le premier ministre lui-même, c'est les lois, c'est intérêt personnel, intérêt du groupe. Peu importe, là, parler là-bas, c'est moi qui le balbaye. Il va dire qu'il a initié le dialogue ou bien il a fait le dialogue, mais c'est faux. C'est qu'après 8 mois, 9 mois, si on a la bataille de questions proposées, c'est dans le premier ministre, sous sérieux dans ce qu'on pour les 9 mois là, pour pas avoir des résultats, c'est kidnapping, c'est gangou, c'est chômage, c'est insécurité, et c'est division qui est fort de faire, qui est fort de faire depuis 7 mois ça, pour te gagner un consensus qui dégage. Parce que c'est ça que vous avez posé comme question. Et ouais, si c'est pendant tout le temps, il a fait dialogue, pas de dialogue, pas de consensus. C'est si vous parlez de l'autre bagage là-bas, c'est bon, si vous parlez. Ça vous parlez là-bas, il n'y a pas de gestion de là-dedans. Ça vous parlez là-bas, c'est bien personnel lié avec ce qui est avec ce groupe là, qui est capable de mettre le pays dans plus de problèmes, plus de divisions. Parce que c'est en logique, parce que c'est là-bas la palais, on a dit que je m'en viole la constitution, mais comment il y a de la bataille unilatérale qui m'a fait dans le pays là, je m'en ai fait consensus. Je ne vais pas exécuter le bicéphale, je ne vais pas entrer dans la bagaille qui va utiliser le pays à rien, je ne vais pas entrer dans la bagaille qui va créer plus de divisions, plus de répétitions. Je crois que c'est aller là-bas, c'est de ça qu'on a parlé, pour montrer le vrai visage, pour ne pas parler dans nos pays parisiens, dans nos pays, parce que je ne vais pas dire que c'est le monde qui m'a dit, je ne vais pas dire à quoi, je ne vais pas dire à quoi, je ne vais pas dire comment là. Comment là, et si là, ça l'a fait, c'est une mission qui ça l'a fait. Et là, qui date la crise de pouvoir. Il va là, il va représenter nous. Je crois que tout ça, on va le parler là-bas. Il est engagé, premier ministre. Il n'est pas engagé, les Haïtiens. Il va engager nous. Je ne crois pas que nous-mêmes, nous n'avons rien à attendre de lui qui est bon. Parce que ça, je devrais faire depuis tout le temps, qui se recherche consensus là, avec tout acteur politique, pour venir la paix, sérénité, stabilité dans le pays, pour venir la sécurité, pour créer conditions sociales pour organiser des bonnes élections dans le pays. Les Parisiens, je ne crois que c'est parler, elle va parler dans nous, ça qui est la belle mandat. Puis tu as critiqué le Premier ministre qui, d'après les capteurs, j'ai mis le conseil électoral provisoire sous pied en cachette au lieu de discuter avec le secteur. L'ancien parlementaire, c'était Jimmy Albert. Ariel Henry a cherché à intégrer dans le conseil de l'église catholique. Il y a plusieurs acteurs qui refusaient. C'est le cas Magali Georges, si nous devons croire, porte-parole Penna qui croit KEPSA pour créer plusieurs problèmes en côté déclaration dans le micro Peterson Blaise. Le Premier ministre, aujourd'hui, il y a tout qu'on a parlé de consensus. Tout le monde souhaite un consensus. Ou même vous pouvez attendre au baron pour le faire CEP pour quoi. Même vous monde qui signe à quoi vous dites, mais comment vous avez CEP choisi, ou baron qui paye même c'est dans le monde dans le petit coulot en bachal. Nous cherchons à négocier avec le monde, on nous connaît qui proche le secteur, pour l'élève à vous dire, mon cher Watmétil, pendant le point délicat de Jimmy Albert, et on s'est ministre qui va même gagner des charges. Que je choisis sur nom l'église catholique. Même les catholiques, nous avons dit pas dire la voie, ni le pas voyer, puis c'est une composition mythique, mais côté dit que
faut qu'il y ait un consensus, etc. Mais Jimmy Albert, je dis à tout le monde qu'on est. C'est lui, après, il a envoyé l'équipe de Haïti Caravel, il a choisi pour l'église catholique. Il y a un monde encore, nous connaissons, ils ont décidé de choisir pour le secteur, sans qu'ils ne vont pas consulter le secteur. Et on joue un monde qui accepte 20 ans. Et que le secteur ne pas même dénoncer. Bon, on va regarder, c'est l'église catholique, lui-même a prêté et consulter ça. Ça a fait nous-mêmes qui n'en fait là. Jimmy Albert, lui représente l'église catholique. Souhaitons que nous posions des questions sur ça. Et pas donné que Magali Georges et qui dit que lui-même, je t'ai dit que sous nos coins et syndicats, lui-même, 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 parce qu'il était attaché à Mondana. Mais que plusieurs mouns y a checké dans un mitaille pour mettre eux. Nous avons toujours été avec ancien député Aodon Bien-Aimé, Fouassa, c'est concernant le travail que nous avons fait avec l'acteur comme Montana. Pour le collectif national, a pas avancé avec un processus pour désigner représentant le collège présidentiel. Selon une porte-parole qui c'est Aodon Bien-Aimé, l'ancien parlementaire a demandé à Montana qu'il reste acteur fait diligence pour avancer avec un dialogue pour débloquer le pays. Parole Aodon Bien-Aimé. Nous-mêmes, nous avons été nous en mission et maintenant au service et au travail pour le pays. C'est que nous avons continué. C'est pas un travail qui est facile, c'est un travail qui est difficile, surtout avec des acteurs politiques qui sont très très actifs. Je pense que nous n'avons pas avancé très bien. La mission que nous avons gagnée, c'est de désirer les gens dans le collège qui ont pris ça. Montana désire mon parle là, qui vient dans le collège là, qui vient dans le collège là. C'est un pour désirer un membre. Il y a l'autre secteur qui vient pour désirer mon paillot. Nous autres, nous avançons grandement dans le choix de mon paillot. Dans ce sens, l'irrité à l'autre acteur pour faire un travail pour nous recommander consensus que nous tous souhaitons, que tout le monde souhaite, nous capables de donner dans le pays. Parce que je dis à moi, je crois que bon effort pour faire pour mettre intérêt mesquin, orgueil, la haine, hypocrisie, rancune de côté, mais pour nous garder comment nous sommes capables de jouer un intérêt collectif qui est capable de permettre que le pays avance, nous tous pour avancer, pour nous mettre en application. Nous poursuivons avec l'information, il y a un président Accor India d'Haïti qui salue l'initiative président Tiresina Joseph Lambert qui visait jeune solution à crise là. Porte-parole AUHA consigné pour un exécutif à deux têtes avec un gouvernement consensus. Pendant le souhaité tête ensemble pour finalement jouer une bout de crise là. Jean-Christel Dissim a été profité de démentir l'information qui fait quoi il y a un représentant de KIPA qui peut le monter en côté Jean-Christel Dissim. Bon, Accor Unité d'Haïti, te féliciter et puis encourager président Joseph Lambert pour l'initiative Grand Corps Apprend pour organiser une assise à tout accord pour joindre une solution consensuelle dans la crise pays d'Haïti a traversé depuis un bon bout de temps. Après rencontre à Corps Unité d'Haïti avec président Joseph Lambert, nous au niveau à Corps Unité d'Haïti, t'as été convaincu, c'est celle d'un consensus largement large en tout accord qui a privé résoudre crise là. Même gens nous-mêmes, nous t'ai fait ça dans Louisiane, sorti 13 privé 19 janvier 2022, côté 9 accords, t'es décidé de mettre intérêt personnel de côté pour embrasser cause peuple haïtien. Côté nous-mêmes, dans 9 accords, nous te voulons un message d'unité by tout l'autre accord yo à la manière des ancêtres nous qui te accepté sacrifier vie pour banon Haïti comme héritage. Je ne vous dis, accord unité Haïti continue ici à parler avec un pile l'autre groupe organisé dans le pays qui manifeste volonté pour rejoindre accord unité d'Haïti sous le consensus là. AUHA croit pas de aucun groupe, aucun autre accord qui a solution pays à pour contre. Il y a un consensus largement large, même genre accord unité d'Haïti a demandé, c'est médicament pour retirer Haïti dans le coma. C'est tout être ça. Nous, au niveau AUHA, nous voulons rappeler opinion public national et international là, sous position à proposition. Nous proposer pour gagner un exécutif bicéphale
Donc, dans cette présidence-là, il y a un triumvirat. Après le premier ministre pour former un gouvernement consensus, côté tout le monde a rejoint, côté tout le monde a chuté à bord table pour nous entendre sur qui façon on a fait ça pour le peuple haïtien capable d'aller en souffle. Donc, nous croyons, moment, pas pour division, pas pour exclusion, le est au consensus. Voilà, merci en pile avec Jean Christel Desime qui les même tabay position li par rapport avec et ça qui a passé en d'un pays là d'après un dirigeant en politique là. Nous prêt aller dans provinciaux dans cadre Rubika en province mais avant nous aller on nous capable porter à jour ça dans information ça concernant ça qui a fait bataille là qui gagne entre autorité de pays ça soldats de pays ça mais oui avec Ukraine côté là Jodia fait exactement 7 jours, 7e jour là, depuis que bataille s'est déclarée entre autorités de pays sérieux. On a fait qu'on est combat à poursuivre et l'ismoun qui mourir à Vin Pilong, principalement affrontement au fait dans la capitale Kiev et dans la ville Kharkiv. Militaires russes ont bombardé une tour de télévision dans Kiev pour publier 5 monde qui mourir, n'a pas l'équipe donc ailleurs. Une frappe stratégique qui bloquait diffusion toute la chaîne de télévision, mais système Sekouyo intervenu pour permettre un programme capable de reprendre rapidement. Il y a l'autre frappe en l'air qui était visé Kharkiv, qui touillait pour Pipiti 18 mounes. Premier bombardement, t'es frappé place centrale ville, touillé 10 mounes sous place. Deuxième, non, t'es frappé en zone résidentielle et touillé 8 mounes. Président ukrainien Volodymyr Zelensky parlait de crimes de guerre. D'après autorité ukrainienne, il y a 350 civils qui déjà perdu la vie. Depuis la guerre, les mêmes t'es commencé. Je dis, a déjà fait 7 jours. Plus passé 600 000 Ukrainiens qui t'es payant pour courir pour guerre ça. États-Unis proposé pour y retirer la Russie dans Conseil droit des Nations Unies, chef diplomatie américain Anthony Blinken, quoi, c'est un État membre ONU a tenté de mettre main sur un autre État pendant la commettre violation horrible à droit monde et causé grosse souffrance humanitaire. Pas d'adroit autorisé pour arrêter dans le Conseil. Si la jeudi a déjà fait 7 jours, depuis que bataille ça a déclaré entre autorités russes et autorités ukrainiennes, déjà pile monde perdit la vie, surtout dans le pays Ukraine. Voilà, merci en pile, j'en ai annoncé là, nous prêts à aller dans titre qui vient à la Tibonite avec correspondant nom qui c'est Désir Vénès. Bonjour Désir, comment ça est? Bonjour Blaise, bonjour Jean-Vinier, bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs qui nous ont fait Radio Méga dans 4.4, dis-nous la paix, son plaisir pour nous informer Radio Méga qui s'est gagné comme information sous Tirivier la Timonite. Ça a informé pendant 3 jours carnaval sous Tirivier en plus d'inquiétude déblaye par rapport avec M. Sakin qui monte dans sa ville là, dans la question carnaval avec vos enfants de foie dans main. Avant ça, l'autre information et pendant ce moment encore, dans Tirivier la Timonite, il y a une information qui a circulé côté la mort sans jour, chef gang quoi de bouquet à information qui est utilisée la Tibonite dans zone qui est de guêpe, un pire coup de femme dans le chantier dans zone ça, la caille ou gain, et on a fait quoi qui gagne lien par rentré avec l'amour de Saint Jean qui t'a bon fréli, et beaucoup a fait quoi qui groupe qui soutient dans sa vie qui t'a cherché l'amour de Saint Jean la caille, t'a levé environ 700 000 dollars américains à 300 000 dollars haïtiens qui ont frêlé et qui ont bon lettre à vendre, monsieur Olivier, l'agent à la caille ou que c'est là, et l'autre information encore sur ça qui concernait mes informations, ça, et la caille ou que c'est une question de charge téléphone ou que c'est quoi, que monsieur Olivier, tout téléphone et que nous, qui sommes dans son note, et qu'on vient charger la caille, et devait y partir avec des armes qui ont déjà la caille ou que qui t'a dit 9 mm, et information ça qui continue, la guerre qui est utilisée la Tibonite, surtout, et avec question et la police qui pas efficace dans zone là côté et commissariat arrêté l'ouvrir malheureusement policiers n'ont pas gagné matériel pour servir c'est tout simplement nèg avec des armes illégales qui a fait la loi dans tirer la Tibonite et récemment c'était nèg armes qui permet de tirer la Tibonite malgré derrière l'ouvrir c'est sous base d'entente que magistrat communal l'a fait avec monsieur Sinao qui a une cause avant de faire dans mais côté qui saisit soir c'est sous base pour l'argent pour le remettre sur la mairie de la Tibonite. Moi, c'est Désir Vénès, c'est quand tu as pu utiliser la Tibonite pour la Radio Méga.
Merci Désir Vénesse qui t'a dit nous qui j'en ça est notre rivière la Tibonite. Nous parler dans Miragouane dans le département NIP PIA avec Henri-Claude Cléassin qui s'est capable de partager avec auditoire Radio Mega pour capable gagner toute information sur Miragouane. Nous parler comme ça avec correspondant nous Henri-Claude Cléassin. Bonjour Henri-Claude Cléassin. Allô? Allô Henri-Claude? Oui, bonjour. Bonjour Henri-Claude Cléassin. Comment ça est dans Miragouane? Bonjour Blaise, bonjour Sévère, bonjour à Marcel, à Joseph et bon bonjour pour tout auditeur à côté de Radio Mega. C'est un plaisir maintenant pour nous partager à côté de 3 Mega information qui a dominé l'actualité. Dans la commune Miragouane, on fait qu'on est communément levé en forme côté activité transport en commun. Déjà bel et bien démarré côté cabinet qui a assuré transport et petit bois Miragouane avec fond de neige jusqu'à Nancy pays a déjà composition pour transporter nous aller dans différents endroits. Si là, information nous vient, on a fait qu'on est avocat dans barreau en faveur de notre influence. Dénoncé insécurité avec Zak kidnapping, l'idée qui passe spontanément dans la population, mais ça, ça, homme de loi, et dans des populations, lever campé pour combattre un phénomène qui là, qui rend les prisonniers dans le pays, surtout pour la population de Sidia. Faut que nous disions, c'est même constat ça qui fait que le secteur éducatif là, et le secteur commercial là, ils ont même tout dénoncé comportement qui était mené, ils ont dit autorité, ils ont affiché devant le phénomène qui là, ils n'ont pas fait un lien pour résoudre le problème là. Dans ça, et secteur qui là, ils ont demandé avec l'autorité pays à prendre bon genre disposition pour résoudre le problème ça, pour permettre la population ainsi qu'il est libre et libre dans l'activité. Moi, c'est Henri-Claude Cléassin qui t'a performé depuis le métropole de Miragouane, Radio Mega. Merci en pile, Henri-Claude Cléassin. Nous prenons l'autre côté en pays avec un correspondant New York pour qu'on ait commencé à y aller, d'a dériver dans Gonaïve, d'a dériver dans exactement tout, dans Saint-Marc avec collaborateur correspondant nous, Daniel Daniel, d'a dû font arriver dans Cap-Haïtien avec Guino Duvernay, et d'a dû font arriver tout dans département centre en pays d'Haïti, précisément dans Ville-Inch avec Daniel Chiertout, pour qu'on ait comment ça, puisque hier c'était dernier jour gras dans ville Inch. C'est ça qui fait important pour nous connaître comment ça y est dans Inch. Même gens dans Cap-Haïtien, puisque il y a tout un carnaval dans Cap-Haïtien. Et si on s'est tenté sorti, on a pris les valences en jeu. Et nous prenons le tout, comment ça a été et tout avec Guino Duvernay. Mais avec Mackens, lui, et Gonaïve, nous avons des informations sur Gonaïve. Mackens, bonjour, comment Gonaïve levé pour matin, ça qui gagne comme information? Bonjour, bonjour, Peter Sondelez, nous saluons à Jean-René Sévère, nous saluons Marcel Joseph, même qui a pris le bouton. Donc, on a dit, Gonaïve levé très bien avec un temps ensoleillé. Donc, activité même, il est censé reprendre, même dans la cité, indépendance solaire, chauffeur taxi, moto et camionnette, déjà, dans la rue, justement, les populations, déjà, à pas, circuler, pour capable d'invaquer à occupation dans la cité, indépendance solaire. Nous connaissons, ce qui domine l'actualité, c'est question, carnaval, qui, est organisé sur tout territoire pays, à travers le Rio. Donc, nous, Gonaïve, eh bien, activité, même, il est censé finir, de gagner. Je n'ai pas là, quelques bons pieds qui ont été croisés sur nous, donc, qui t'a fait créer ambiance avec animation, dans la rue, dans divers quartiers, de gagner activité, bagno, banalayo, même, qui est à distraire d'une façon ou l'autre, même capable de dire activité ça, lui, passer vraiment, on peut dire, inaperçu, comparativement avec, Jean Sacconier, donc, pas bien vraiment couleur au niveau, de, organisation carnaval, là. Est-ce que, pas t'as gagné un cob pour, activité elle-même, il était plus bien passé que ça, à part un petit stand qui était fait, à côté de Méria, on va dire devant Méria, donc, qui t'a créé animation à quelques speakers, donc, pas t'as vraiment gagné un coup activité pendant un déroulement trois jours grâce à une cité d'évaluation, sinon que quelques points à pied, j'aime dire, qui t'a pas metté ambiance. Donc, pour le moment, est-ce que nous t'a parlé de bilan? Non. Pas qu'on a vraiment gagné bilan, parce que j'aime de l'activité, il n'y a pas de aller grand fou, Jean Sacconier, pas de vraiment une ambiance capable de enflammer, donc du coup, activité même, il y a fait sans nous pas vraiment connaître est-ce qu'il y a des gens qui blessés, qui sont qui gagnent comme bilan.
Donc, on peut toujours être sûr pour nous connaître qui ça et qui gagne comme bilan. Et bon côté population, comme population, on va dire que gagne une idée qui est partagée sur l'organisation carnaval là, pour certains membres en crise économique, gagne chômage de pays et insécurité. Donc, l'argent qui t'a dû dépenser pour une qui façon être capable de combattre l'insécurité à la vie de capital mandat. Et donc, c'est le plaisir carnaval qui est mettre, selon citoyen, ça a eu le bout de l'organisation carnaval, organisation festivité, dit que tu es là, mais c'est parce que justement, ils n'ont pas capable de joindre l'argent pour y ouvrir l'école, pour y avoir manger. Donc, ils vont cautionner aucune activité. Même quand c'est la gote l'argent qui a fait là-dedans. Donc, c'est pour ça. Et même j'en avec plusieurs autres villes, le pays, les Gonaïves, la population elle-même, lui, il n'est pas sorti satisfaisant par rapport à l'organisation activité si là-haut. Il a demandé pour l'État à la fond façon pour capable justement, pour un qui m'a capable de baisser le prix des produits pour les nécessités, et le dollar qui va suspendre, goutte là qui va suspendre, prend calotte dans les dollars. C'est ça qui est à la cause. Tout prix et marchandises, je m'aime mieux monter et non pays. Donc, c'est le sous-sal le gouvernement a bien penché avec ce phénomène insécurité. Ma brave nous, mon femme, c'est Luna 15, et puis Gonaïve pour que vous êtes en radio. Mes gars, merci tout le monde. Rendez-vous cassé demain. Chaque collaborateur, nous, correspondant, nous pour aller dans Cap-Haïtien, Kegino, Duvernay, comment ça est. Dans Cap-Haïtien, nous pour aller toutes informations dans Cap-Haïtien, Kegino, pour capable, bah, nous, toutes dernières éléments d'information, souhaite des informations dans diverses villes, provinces. Maintenant, nous, mettons dans Cap-Haïtien pour nous connaître qui genre, en ça est dans Cap-Haïtien. Nous, pour aller contre ça, Kounia, dans Cap-Haïtien, Kegino, Duvernay, l'esprit de communication a permis de nous joindre Guino pour capable informer nous. Nous prenons avec Guino. Bonjour Guino. Bonjour, je vous laisse vrai. Bonjour ma famille. La bougé Guino. Guino qui l'a bougé. Non, bah mais c'est les Guino encore. Guino qui a bougé et mais c'est font le compte. Bah mais c'est garder Guino à côté encore. Et pour capable qu'on ait comment Cap-Haïtien les mêmes liés gens disant là, il y a tout un carnaval en Cap-Haïtien. T'es gagné on dit de ces deux groupes au Cap qui étaient sortis dans le carnaval là tant que gentil c'est monté hier soir. T'es gagné c'est peut-être t'es sorti et comment ça t'est lié? Est-ce qu'il vraiment? Et Guino là les noms. Espère que ça bon Kounia. Plaisir Amdoula. Et bien, on regarde avec Guino si ça marche là pour nous, et avec Abel Zéga si ça va marcher, on va obliger de prendre pause là pour nous faire place avec Rubik Paul Équilibré qui s'est prêt à l'espace invité journal là. On regarde est-ce que ça marche là pour Guino du Vernet, correspondant permanent dans la ville Cap-Haïtien Le Nord qui c'est la deuxième ville pays là. Nous connaissons déjà une idée sur comment ça y est dans Miagwa, dans Nipéyan. Nous avons une idée comment ça y est dans Titre qui vient à la Tibonite. Et là, nous prenons regarder comment ça y est. Et nous avons une idée tout dans Gonaïve. Nous prenons notre des histoires des îles. Alors, information des îles. Côté, on dit, des nègres, mais t'as appris que dans mon Saint-Jou, il y a un gant qui t'a famille, que dans mon Saint-Jou, t'as dans la base au gant. Et l'autre monsieur débarqué là, lui, beaucoup de balles. Et au gant parlé pour lui dire que nègres prennent pas de 700 000 dollars haïtiens, combien de dollars américains, qui t'a pour un proche lit, qui ont question bolette, tout ça. Bon, information, c'est ça, qui partage avec la désirénesse. Bon, nous pas qu'à une guinée, puisque connexion pas bon, nous pas obligé, et pour tes sons en bas, nous, c'est pas audible que ça.